Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Deadly Premonition. Alors je préviens tout de suite, cet épisode va être consacré majoritairement à... je vais réessayer. Il parle de quoi? Je sais pas ce que j'ai fait là. Je préviens tout de suite, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais jamais vu ce truc avant, donc ça ne me dit rien. Enfin, je ne me souviens pas si j'avais vu. Donc, bah tant pis, on va se contenter de le refaire, puisque de le refaire, qu'est-ce que c'est? De réessayer quoi, ça? À mon avis, j'avais dit que je vais le refaire, parce que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est le... En fait, c'est l'Other. Ça rapporte de l'argent. Je le refais. Donc visiblement on peut refaire l'Other World en fait. Hop. Donc on va tout le refaire vite fait. Histoire de récupérer vite fait toutes les médailles. Hop, au pire, je ferai des ellipses si jamais c'est un peu long. Donc on tire, ou si jamais je manque de skills, ce qui m'étonnerait parce que... Tiens, je t'ai pas tué, toi. Hop, on va essayer d'ouvrir. Ça se trouve, en le faisant une deuxième fois, il y a de nouveaux objets qui se débloquent. Donc on va tout ré... Voilà. Là, ça y était pas la première fois, ça. Ah, je peux plus la prendre ni dans la boîte à outils, ni nulle part. Bon, bah, les balles de 10 mm, visiblement, je suis blindé. Dommage que j'ai pas d'arme de 10 mm, parce que... Pardon. Oui, je sais, je me fais un peu plus confiance dans cette partie. Comme vous pouvez le voir. Donc j'essaye de sprinter un peu plus pour... quand je vois qu'un ennemi, en fait, c'est bon, j'ai appris à reconnaître un headshot de pain. D'un pas headshot, c'est quand il y a la petite nuage violet autour de l'ennemi. En général, voilà, regardez, attends. Pof. Pas headshot. Headshot. Par contre, visiblement, mon perso est fatigué. Et là, je me sens très con. Ah, ça va. Fatigué, mais bon. On peut encore... On va encore pouvoir tenir un peu. Pouf, pouf, pouf. Donc, cet épisode va encore être un épisode assez long, parce que comme j'ai l'intention de... J'allais lire, de faire beaucoup de quêtes annexes et de petits trucs comme ça, histoire de me gagner... De me faire gagner un peu d'or, ou... Même un peu de bordel. Surtout, on va... Et puis aussi, on va faire énormément... Enfin, énormément. On va essayer de faire plein de quêtes annexes. J'ai essayé de les repérer. Je voulais pas quitter, on va essayer de le refaire en entier. Ah, fuck! C'était pas voulu! Merci.
What? 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 Au secours, je fais que de la merde, je fais que de la merde. On essaye de lui mettre une balle pleine tête, mais ça a touché. What? C'est quoi cette téléportation qui m'oblige à me rapprocher? Hein? C'est quoi? On respecte. J'ai dit, on respecte. Regarde-moi dans les yeux. Bon, au moins, il n'y a pas eu d'ennemis qui sont réapparus ici. J'ai envie de dire heureusement, sinon j'aurais pas été dans la merde. Je crois qu'il y a une... Pour le problème de sommeil, je crois qu'il y a une salle quelque part qui me permet de... What? What? Dis bonjour. Hop, merde. Fuck. What? Ah, par contre, le coup de la petite balle pour faire reculer l'ennemi, ça peut être sympa, regardez. Sauf quand l'ennemi recule pas. Mais je vais crever. Donc, ok, donc quand l'ennemi te regarde comme ça, il recule pas. Mais il avance un peu plus lentement. What? Salut. J'aimerais le prendre. Je crois que je vais en avoir besoin bientôt. Putain! Saloperie! Tu le sais ça? Hein, tu le sais? Oh! Un peu stressant, je vous avouerai. J'ai l'impression que c'est plus dur que la première fois. Je sais pas. C'est peut-être juste une impression en plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les ennemis sont plus résistants d'habitude. J'arrive à les tuer du premier coup. Sérieux? Non, c'est plus les balotos de 10 mm, on en a rien à foutre. Par contre, les 10 dollars laissés par l'ennemi, j'en ai pas rien à faire. Merci. Est-ce que la fatigue diminue dans ce monde de... La fatigue diminue quand même, j'ai l'impression. C'est l'arnaque en fait. Je me fais totalement arnaquer. Regardez, mais là je tire en pleine tête pourtant, mais ça passe pas.
On va pousser les caisses, hein, ce sera plus rapide. Sérieux? Je peux pas la pousser. Ok. Ah, par contre, il y a des prix d'agents maintenant dans les caisses. Et ben, on va les détruire, voir si c'est un hasard. Si c'était, si en notre prix d'agents, on les détruit toutes, si c'était un hasard. C'est un hasard. Ok, on se casse. Oui. J'hésite. On va aller dans l'inventaire, on va utiliser un trousse de soins. Je pense que ça vous dérangera pas trop, parce que sinon, je crois que je vais... Je crois que je suis bien parti pour crever. Voilà. Ça aide. Pouf, on défonce la porte. Il y a des lits. Est-ce que j'utilise un lit? Ce serait une bonne idée d'utiliser un lit. Parce que je crois que le temps, par contre, que si notre fatigue et tout diminue, je crois que par contre... Un poisson! Je vais te manger! Nom 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 le poisson! De Dieu? Putain, j'y crois pas. Parce qu'attendez, regardons le temps. Je vais voir si... Ouais, le temps a l'air bloqué, en fait. Et donc, est-ce que si j'ai dormi ici, le temps aura avancé dans le monde réel, tiens. Ce serait une bonne idée de voir ça. Salut! Pourquoi tu ne défonces pas la porte ici? Ah, parce que tu peux pas, ok. What? Coucou. On regarde posément, on attend. Voilà. Bon, c'était totalement foiré, j'ai dû mettre 3 balles où je voulais en mettre qu'une. Mais il est mort sans pouvoir me sans avant d'avoir pu se déplacer, ce qui était l'objectif. Du moins pour moi. What? 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 Salut, 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 salut. Au secours, au secours. I need help. T'es où? T'es là. Ok. Vas-y, continue de marcher à reculons. Merci. Alors, est-ce que c'est bon? Et t'es fini? C'est quoi ce bruit? Oh! Tu te calmes. Merci. Ah, c'est le feu, je me demandais si c'était dans le jeu, mais non, c'est la cheminée qui fait ce bruit-là. La cheminée va exploser. Ouais, je devrais peut-être arrêter de courir en fait. Je sais que je veux faire vite, mais quand même. Parce que ça va faire quand même un quart d'heure qu'on y passe. De toute façon, je vais faire un... Au pire, je ferai un épisode plus long, je m'en fous de merde.
Oh, c'est quoi cette téléportation devant ton copain? Bouge, 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 bouge. Je suis là, vous la sentez la merde venir? Pouf, 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 pouf. J'ai réussi à m'en tirer à peu près correctement. On évite de refaire la connerie. Dis bonjour à ta copine. Salut copine. Oh là, merde. C'était pas voulu. Hop, on ramasse les médailles qui sont ici. On laisse tomber les caisses. J'ai pas envie de me saouler avec des caisses. J'ai pas envie de me saouler avec des caisses. What? 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 Non mais c'est quoi cette espèce de râle à terre? Hein? C'était quoi? Eh ben c'était n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Même tarif pour toi. J'ai envie de dire salut. Une carte. Bon, bah, je serais pas venu pour rien. J'y suis depuis un quart d'heure, mais je serais pas venu pour rien. Un quart d'heure pour une carte. Eh ben, putain. Ça, c'est du let's play. Ça, c'est du power play de ouf. Stabilisateur dans les boîtes à outils. Salut! Oui! Oui! J'hésite. Est-ce que je tue tout le monde? Ou est-ce que je fais d'abord. Est-ce que j'essaye de finir au plus vite? Bon allez, on ramasse tout vite fait en tuant tous les zombies, puis après on se casse de ce foutu monde. C'est sympa par contre de pouvoir y retourner. Non, 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 tant pis. Salut! Et je réapparais où, au fait? Est-ce que je réapparais dehors, l'endroit où j'étais, ou est-ce que je réapparais dans le truc? Je sais pas. Là, je vous avoue que je m'interroge. Pouf, 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 tant pis. Allez. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Je réapparais dehors. D'accord. On va retourner vite fait, faire un tour. On va faire une petite sauvegarde vite fait. La petite sauvegarde du bonheur avec la petite coupure, vous la connaissez. À tout de suite. Pouf. Voilà. C'est bon. Donc on retourne vite fait dans l'hôpital. On va essayer d'aller reparler à Usha et à Yusha surtout.
C'est Yusha qui m'intéresse. Je veux voir si quand on lui parle, on débloque, vous savez, les prix de... Voir s'il a pas une quête ou un truc. Parce qu'à mon avis, Yusha, c'est un... Une quête? Fiona? Sérieux? Moi, je pensais que c'était plutôt Yusha avec ses... avec son passion pour les énigmes qui nous aurait donné une quête secondaire. Donc en gros, elle me propose des somnifères pour acheter. D'accord. Donc ok. Mais ta gueule, je voulais des médocs, connasse. Attends, ça réagit pas ce jeu. Hey Fiona, what are you reading today? A medical textbook. That's good. Keep studying like that, and I'm sure Usha will notice. Really? It would be great if he did. I've been studying a lot recently, and I bet I know more than you. Are you trying to challenge me here? I sure am. You want to take the challenge? I can quiz you, you know. Sounds fun, Fiona. Oh mon Dieu. Okay then, here are the rules for this quiz. Answer three multiple choice questions correctly in a row, and you win. Bring it on. Then just let me know when you're ready to start. Oh, fuck. Non, je veux parler. Oh, tant pis, on va essayer la quête. J'y connais rien en médecine. Vas-y. Get ready then. Question one. Oui. Correct. But that was only the warm-up. Wouh! Here comes question two. N'est pas vrai pour les médicaments génériques. J'en sais rien. Oh, too bad. Oh Was ta that one gueule, too je hard for te you? I just didn't get enough sleep, that's all. I used to say that when I was a poor loser too. Just let me know if you want me to quiz you again. I'll be right here. Je te hais, connasse. On réessaye. Je m'en fous, je ferai des ellipses, mais je réussirai. You want me to start the quiz? Vas-y. Get ready then. Question one. But Ouais, that was only the 0% en warm-up. même temps, ça m'aurait Here étonné parce qu'on comes consomme tout, question qu'on two. consomme tout l'air. Et puis, normalement, on ne produit pas de l'air, nous ne sommes pas des plantes. Combien peut-on avoir dans le lait? Je crois que c'est 24. Oh, too Oh, ta bad. Was that one too gueule! hard for you? Je te I just déteste! didn't get enough Je sleep, that's te all. hais, connasse! I used to say that when I was a poor loser too. Just let me know if you want me to quiz you again. I'll be right here. J'y arriverai jamais! Oh mon Dieu! You want C'est me to start horrible the et ça fait une quiz? demi-heure! Get ready then. Question one. Non, scientifique de l'aspirine, alors ça je l'ai su à une époque. Acide, ça, je crois que c'est ce machin là. Acide acétylosalicylique, machin. Correct. But Oui, that je was only sais the que c'était pour warm-up. s'échauffer, ta Here gueule! comes question two. Qu'y a-t-il dans une bosse qui gonfle sur la tête? J'aurais dû, c'était la deuxième. Oh, too bad. Was that one too hard for you? I just didn't get enough sleep, that's all. I used to say that when I was a poor loser too. Just let me know if you want me to quiz you again. J'y I'll be arriverai right jamais. here.
Je pense. Mais je m'en fous. On continue. Non, je veux parler. J'y arriverai. You want me to start the quiz? Oui. Get ready then. Question 1. 20. Visiblement, elle pose des questions. C'est peut-être ma chance. Non, parce que 16, attendez, on n'a pas deux fois moins d'anglais que... Ouais, c'était bien 20. Warm-up. Here comes question Allez, two. On va y arriver. Quelle est la définition médicale du choc? C'est quoi ce machin? Oh, c'était la troisième. Putain, j'y arriverai jamais. Ta gueule! Je te déteste! Oui, je sais, blabla. En plus, on la réentend 100 fois, l'explication à la fin. On peut pas réessayer direct. You want me to start the quiz? Oui! Get ready then. Question 1. Correct. Allez, vas-y, à la fin j'aurais bien vu toutes les questions. Question 2. D'où le type 115? Ça je sais, c'est normalement 0 veut dire 0 antigène A et B. Ça par contre je sais, voilà, c'est 0, ça veut dire qu'on n'a rien du tout. But now, time to bring out the big guns. Ouais, je sais, vas-y. Question 3. Dans cette liste, qu'est-ce qui n'est pas vrai pour les médicaments génériques? That can't be. Why? How? I thought those questions were pretty tough. La première fois, j'hésitais entre celle-là et la première. Parce que la première, ils peuvent être vendus partout, ça me semblait bizarre. No, but it's childish of you to stand there smiling like a winner. I hate to admit it, but you win, agent. Here, take this as a prize. C'est la carte? C'est une carte? Putain. Aw, oh, man. I don't feel like studying anymore right now. Je vais la flinguer. Je le jure, je vais la buter. Tout ça, elle me donne une putain de carte. Je vais te tuer, tu m'entends? Usha Johnson, je pense le trouver à la morgue, donc on va aller à la morgue, vite fait. Comment tu sais que c'est la morgue? Ici c'est le truc. Ah, maintenant on peut explorer tout l'hôpital en mode non. Quand il n'est pas alternatif. Je sais pas du tout par où c'est. Ça se voit que je suis perdu ou pas? J'ai retrouvé mon chemin. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai retrouvé mon chemin. Ouf. Ah putain, il m'a fait peur. Fou. Ouais. Là. C'est bon, il est nul là. Je me dirais que vous pourriez essayer ma nouvelle injection. Je ne voulais pas vous l'imposer. Oui, mais je ne peux pas vous l'offrir, mais c'est un mélange efficace. Un peu fort, peut-être avec quelques effets secondaires. Acheter. On va acheter. De toute façon, on a assez de sous, hein. C'est pas comme si on était pauvre. Ça m'a coûté combien en fait? 72,25. Oh, rien à foutre. Et si nous parlions? Je vais y arriver tout seul. D'accord, Usha, attention au cavalier, cette tour va. Je viendrai vous voir si j'ai des nouveaux. Cessez de gâcher mon plaisir. Donc, visiblement, on est un connard qui lui révèle tout. D'accord. Donc.
On continue notre chemin. On essaye de sortir de l'hôpital, je pense. On va essayer maintenant qu'on a parlé à Usha. J'ai pas envie d'explorer l'hôpital en mode non-alterne. En mode pas alterné, parce que... Oui, j'appelle ça toujours le monde alternatif, parce que... Parce que quoi, voilà, quoi. C'est trop grillé façon Silent Hill, de toute façon... Merde. Quand on se fait autant griller, hein, j'ai envie de dire, on se tait. Donc, ensuite, on va sortir de le truc. Pouf. Voilà. Pouf, 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 pouf. On va refaire une petite sauvegarde et une petite coupure, histoire de sauvegarder ce que j'ai fait. Désolé, je suis pas fou. Oui. Merci. Et la petite coupure. Voilà. Donc, on reprend maintenant. On va chercher une voiture. On va chercher une voiture, on va chercher une voiture et on va aller... Je sais pas où. Je vous avouerai, je sais pas où, je sais pas où, je sais pas où. Merde, j'ai perdu ma voiture. C'est pas celle-là du tout. C'est pour ça que je la retrouvais pas en fait. Parce que c'était pas la bonne. Pouf, pouf, pouf. Zach, we need to get to Greenvale Forest Park. Sauf que c'est ce qu'on va pas faire. On va d'abord aller retourner voir à la station service, voir si on peut pas payer un autre pot de vin à machin, là qu'on a un peu d'argent. Franchement, on a 7000. Normalement, on devrait pouvoir lui payer un peu plus. Si j'ai bien compté, là on serait rendu à 300. Je pense que là, on va lui payer, il va demander un pot de vin de 300, ce qui ferait 600, et le prochain pot de vin serait de 400, et donc ça ferait 1000$ en tout. Comment ça se fait que tout est à fond? Comment ça se fait qu'il est... Il est que 14h39, et par contre, j'ai jusqu'à 18h. Ouh! Et là, franchement, il faut que je me méfie, j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais trouver la station service en fait. J'ai perdu la station service, je suis trop con. Attendez, si je vais par là. Il aurait fallu que je tourne. On va faire demi-tour, on va tourner. On va prendre ici, 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 et on arrivera à la station service. D'accord. Oui! Je sais où j'ai fait un 360. Oui! Ma voiture, le chat. Bon, pof, voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive, là, on tourne. Oui, salut. Re-salut. Ah, voilà, je suis sur la bonne route, c'est bien January. C'est bien January Airway qu'il faut suivre quand on veut aller à la station essence, je crois. Si je me souviens bien. Allez, on continue. Là, on va tout droit. Je crois. À chaque coup ici, je me planterai à cet endroit. Je saurais jamais. Oui, je sais, tu peux klaxonner, je suis un ouf. T'entends? Je suis un ouf. Pouf, 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 pouf. Ah! Au secours. Wouah!
Salut! Au secours! Par contre, j'aimerais juste vérifier un truc. Non, je suis désolé, je vais juste vérifier un truc. Genre, je vais vérifier, j'en suis à combien de cartes? D'accord. Quand même pas mal! J'avance bien dans les cartes, je trouve. J'espère que j'en aurai pas besoin à la fin, parce que sinon j'en aurais plus. J'aurais plus de code à gagner d'argent. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop dépenser d'argent. Bon, ça par contre, c'est une quête, donc... Wouah! Salut! Hop. Et je tombe directement sur Jack. Je crois que c'est Jack. Salut! Est-ce que je peux te payer? Je peux te payer 300$, voilà, et donc le prochain sera de 400. Bah tant mieux! I've been waiting for you, Benjamin. I've got a good one for you today. Don't go around spreading this one. I'll tell you another one when I see you again. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, visiblement, lui, d'après lui, foot carte à jouer. Par contre, donc, du coup, ça signifierait que... Oh, je peux les ramasser en bagnole! Oh! Mais c'est trop génial! Putain, je l'avais pas... Je savais pas ça. Et... Non! Tant pis. Là, j'ai pas le choix, faut que je sorte de la voiture et ça me fait chier. Non! Zack, is there something here that you want to check out? Well, just do as you please. Ouais. We can head to the forest later. Voilà. Hop! Putain, je vais me faire un peu... Je pense qu'à la fin de ce chapitre, je me ferai un peu d'or quand même. Alors, Zack, pouf, 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 pouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. L'écran est noir. Putain de bug de merde. Tu m'entends? Bon. Vous savez quoi? Je vous retrouverai à cet endroit-là. Je vais essayer soit de débugger, soit de faire un truc, je sais pas quoi. LOL, j'ai réussi. Bon, bah finalement, je vous retrouve pas là, j'ai réussi à te débugger. Youpi. Je suis heureux. En me traquant tous les boutons, ça a marché. Donc, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regardons la carte et regardons ce qu'on pourrait faire. Oui, je sais, je suis chiant avec ça, mais j'ai envie de faire le jeu à 100%. Et or, pour faire un jeu à 100%, bah, il faut quand même se concentrer un minimum. Déjà, c'est où qu'il faut aller? Oui. C'est super loin. Donc déjà, on va faire le plein d'essence. Regardons ce qu'on pourrait faire en chemin. Il faut prendre cette petite route. Ensuite, on arriverait par ici. On a le tunnel. On a le pont. Il doit y avoir un autre chemin. D'accord, on est ici. Je suis totalement paumé, je vous avouerai. Je fais une ellipse. Le temps de me programmer un chemin, puis je fais une légère, je vous retrouve. Parce que la carte est pas du tout pratique, en fait. La zone qu'on peut voir est trop petite par rapport au plan. Donc, je fais une ellipse, le temps de me faire un trajet à peu près correct, et puis je vous retrouve. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve, parce que, en fait, j'ai trouvé un petit truc à faire, qui est pas du tout sur le chemin, mais comme ce sera pas un endroit où je retournerai souvent, je pense, en fait, je vais le faire tout de suite. Donc, on va retourner vers le restaurant. Si je me trompe pas d'itinéraire, normalement ce sera pas le cas. On va essayer de mettre un petit coup de boost, par contre. Parce qu'il va falloir aller vite, parce que je pense que même si... Now, Joel Grey's daughter is, of course,
Je pense que si même il y a ce que je pense, you know that, right, Zach? Je vous quitterai Jennifer à cet endroit-là. Gray. She's in one of my most favorite movies. Ferris Bueller's Day Off. 1986, directed by John Hughes. That one was so 80s. Le petit passage, le petit Zach, passage you're not the most référence. Cheerful guy I know. But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink. St. Elmo's Fire and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Now that was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and... Je suis dans quel état? Ça va. Que ce soit la faim ou la santé, ça va. Donc, on peut continuer. Allez. Hop. Et là, vous, je sais pas si vous reconnaissez la route. Sûrement pas, d'ailleurs. Parce que je sais pas si on a déjà pris la route. Mais si je me trompe pas... Je dis bien si je me trompe pas, ce qui est vraiment pas sûr parce que je suis un peu assez mauvais en niveau carte. Je pense que vous l'avez dû le remarquer. Ça devrait être par cette route qu'on est arrivé la première fois. Parce que j'ai remarqué qu'en fait il y avait un petit coin de pêche. Donc on va essayer d'aller y pêcher pour voir s'il n'y a pas une petite carte qui traîne. Et puis il y aura peut-être même un petit coin Otherworld, celui du premier niveau. Hop. Regardez, on voit le petit coin de pêche sur la petite carte en bas. Et donc on va y aller tout de suite et puis on va voir si c'est un truc, s'il n'y a pas une petite carte, un petit cadeau à ramasser. J'aimerais bien qu'il y ait un petit cadeau. Ça me fait chier d'être venu là pour rien. Et puis après... Pouf, allez, la canne standard, le verre standard... On lance la ligne. Oui. Pardon. Oh non, ça vous spoil ce que je vais faire. Et il y a un cadeau rose qui se trouve ici. Donc il faudrait que j'appuie au niveau des... Et merde, là la ligne va péter. D'accord. Là j'ai été con sur ce coup-là. J'aurais dû plus observer avant de... Oh putain! À quoi ça sert que tu pêches qu'il y a un poisson qui vient de sauter sur le pont juste derrière toi? Putain, le paradis du pêcheur, les poissons ils sautent. Non mais c'est pas vrai. Non mais vas-y quoi. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Par contre c'est vrai que je m'excuse franchement de faire des épisodes aussi... Ah, ça pète! Faudrait que j'appuie sur le poisson après le cadeau jaune. D'accord. Poisson, cadeau jaune, fille qui hurle, les poissons. Et j'appuie sur le poisson là. D'accord. Allez, on se concentre et on y arrive ce coup-ci. On va le faire. Vas-y. Hop, poisson, cadeau jaune. Fuck, je vais ramasser un cadeau là. Oh non, mais c'est pas vrai, la ligne qui pète. Oh, c'est pété. Je stresse trop. Faut se calmer, faut se détendre. Dire que j'y arrivais bien. La dernière fois, j'y suis arrivé du premier coup, le cadeau. Pouf. Là, je sais pas pourquoi, je fais que de la merde. Cadeau, poisson. Non, mais putain. Pardon. Bon, bah, j'ai un poisson. Bon, bah, c'est déjà ça. Moi, j'aurais pas perdu ma ligne, j'ai un poisson.
D'accord. Par contre, j'ai pas compris, ça allait beaucoup plus lent que prévu au jeu ce coup-ci. Pas compris, là. Allez, vas-y, plus vite. Non, mais vas-y, me dis pas que tu vas tout... Ah si, il l'a remonté tout au bout. Allez. Tu vas le faire. Vas-y, York. On attend encore un tour. Yes! Il faudra que je pense à racheter des hameçons quand j'en aurai l'occasion. Isaiah Ingram, c'est bien une carte. Pouf, 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 voilà. Et donc du coup, bah, on va remonter... J'ai perdu l'endroit où je peux remonter. Je suis nul. Ah, c'est là. Pou, 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 pou. Par contre, il faudrait que je me dépêche à sauvegarder parce que là, le jeu va pas tarder à me planter. Je vous parie que ce jeu va bientôt me planter. J'aurais dû sauvegarder à la ville avant de venir ici. Je suis mauvais. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire... Oui, je sais, ta gueule. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vite fait aller à... comment ça s'appelle ? On va faire le truc que vous avez sûrement aperçu. Qui est... Il y a un téléphone ! C'est juste à côté. Et bah regardez. Le prochain épisode ou cet épisode-ci. Et bah vous savez quoi? Le monde de l'Other World. Je vais le refaire maintenant. Dans cet épisode. Comme ça, un truc assez chiant. Ceux qui veulent le regarder pourront le regarder. Ceux qui ça n'intéresse pas, bah pourront zapper s'ils veulent. Comme ça. Tous ceux qui veulent regarder vraiment à 100% avec toutes les localisations de tous les objets et tout, oui, en fait, j'en sais strictement rien s'il y a un objet là-dedans ou pas, mais je pense que oui, ça va faire y avoir une petite carte qui traîne en endroit, comme ils ont fait dans le monde de l'hôpital. Comme ça, ceux que ça intéresse pourront regarder, et puis, bah, par contre, du coup, et puis ceux que ça n'intéresse pas, bah, pourront zapper, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu chiant de voir des passages qu'on a déjà vus. Mais j'ai pas envie de le faire en off, au cas où je trouverai des trucs intéressants. Donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est je le fais tout de suite. Comme ça, ceux que ça intéresse pas, zap. Et puis te retrouve du coup dans le prochain épisode où je vous retrouverai bah, du coup après l'Other World. Et puis on continuera les quêtes secondaires et tout le... Je pense qu'on finira le chapitre 4 par contre. Parce que je vais essayer de faire ça. Deux vidéos maximum par chapitre. Deux vidéos maximum avant de continuer la quête principale. Parce que sinon après, ça va faire un peu trop quête secondaire et puis pas de quête principale. Sauf sûrement si quand ça deviendra urgent et puis que ce sera les derniers trucs pour finir les quêtes. Mais là, il n'y a pas de trucs qui sont urgents, enfin je crois pas. Bref, passons. Donc, je vous dis à plus tout le monde, pour ceux qui veulent, et puis je vous retrouve tout de suite les autres pour ceux qui veulent voir l'Other World, qui veulent revoir l'Other World des bois. Je me demande s'il y aura un changement au niveau des ennemis. Allez, à tout de suite ou à plus tout le monde. Bye! Re tout le monde, alors normalement maintenant il n'y a plus que, après cette petite coupure, il n'y a plus que les hardcore qui sont là, les vrais, les purs, les durs. Donc, ce qu'on fait, on rentre dans le petit halo, vous le connaissez, on réessaye. Parce qu'on est des hommes, des vrais, des purs, des durs. Alors. Pouf, 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 pouf. Attention. Voilà, donc on se retrouve ici directement. On met le tuyau d'acier dans la boîte à outils. Oh,
Oh, je suis con, moi je rentre dans le feu, bien sûr. C'est vrai que le jeu est tellement facile et puis je rentre dans le halo en croyant que c'est un objet. On reste ensemble. J'avais pas vu ce passage la première fois. On va essayer de le détruire. Il y a un truc ici? Il y a un truc. On prend. On prend le kit de secours. Ça nous sera bien utile si ça fait comme dans le monde de l'hôpital. Le monde de l'hôpital m'avait l'air plus dur, donc je pense que celui-là aussi, celui-là suivra la même logique, ce serait logique. Par contre, je comprends pas l'intérêt de donner des armes de corps à corps, sachant qu'il donne une arme de... Ouais, ok, déjà il y a plus d'ennemis. Bon, et je recharge, forcément, je suis un gros con. Voilà. Dis bonjour, et toi, dis bonjour aussi. Merci. Je t'aime bien, tu sais. D'accord, donc par là. Okay. Pou, 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 tu te calmes. Ok, donc ça je peux pas. On va essayer de faire vite par contre. Même si maintenant il n'y a plus que les plus hardcore qui sont là, on va quand même essayer de se dépêcher un peu pour pas trop traîner. Coucou. Pouf, 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 les ennemis ont l'air plus hardcore encore même. Parce que c'est pas pour dire, ils ont des objets. Avant les objets, tu les trouvais, ceux qui tenaient des objets, tu les trouvais vers la fin de ce niveau. Salut. Merci copain. Copain. Deux petits tirs dans le bras, histoire que tu me lâches, que tu tiens. C'est moi ou lui, il a une arme? Il a une arme! Ok! C'est une plaisanterie! Maintenant, ils tiennent des armes dans ce niveau! Oh putain! Ah non, il a lâché des munitions. Moi qui me disais, il a lâché son arme, je suis trop content! Bah non. En fait, c'était le faux espoir. On va prendre, hein. Après tout, ça fait, on n'en a jamais trop sur soi de munitions de fusil. Pouf, 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 on continue. Dis. Bonjour, merci. Salut. Coupin. Coupin, boîte de cornichon. Faudrait peut-être que je surveille un peu ma faim et ma. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Salut. Oh putain, je l'avais pas vu à que juste à côté lui. Tranquille. Vas-y. Non, mais vas-y. T'es paisible, hein? Salaud. D'accord. Donc ici on a fini. Hop, on rentre dans l'abri. Vite fait. Hop, on prend une sucette. Vite fait. Pouf, 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 on va y arriver. Oui, vous allez me dire que pour esquiver les ennemis, mais ce serait con quand même de cacher une si belle manne. Chaque ennemi, quand je réussis à lui tirer dans la tête, me rapporte à peu près 20$. J'ai envie de dire, ça fait quand même une belle manne quand on voit tout ce qui traîne dans ces coins. Hein? Regardez, quand je réussis à faire un tir à la tête, c'est 28$ par ennemi.
Cet objet sera placé dans les outils. Merci, je sais, c'est ce que je t'ai demandé. Merci. Je sais plus par où c'est. Non mais c'est quoi cette téléportation gratuite, hein? À quoi ça t'a servi franchement de te téléporter? Eh bah ben, rien, voilà. Laisse-moi te le dire, à rien. Il vient d'où, lui? Hein, tu viens d'où? Relève-toi, s'il te plaît. Ah, il y avait deux chemins, d'accord, j'avais pas vu. Il faudrait peut-être que je fasse un peu plus gaffe à ce genre de situation. Ça pourrait quand même un peu me coûter la vie. Juste un peu. Objet placé dans les outils, c'est bien, j'aurais plein de ma force de faire des trucs comme ça, j'aurais plein de boîtes de secours et de tout le bordel. Allez, mais vas-y, laisse-moi partir. Boubou. Par contre, du coup, on va prendre l'autre chemin avant, parce que j'ai l'impression que l'autre chemin est plus optionnel. Je sais pas, en fait. Je vous avoue que je suis complètement paumé. Voilà, c'était ce chemin qui était optionné. Mon dieu, il se prend pour Michael Jackson. Michael Jackson, sort de ce corps. Pouf, 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 pouf. C'est derrière moi. Ah, ok, c'est là-bas. On va essayer. On essaye de le tuer d'ici. Pouf, 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 on détruit cette caisse. Eh ben, ça fera un bon petit épisode, ça. Ça va mettre une heure à uploader, mais c'est génial. Pas grave, je laisserai tourner ça une nuit au pire. Oh, tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. Une ombre. Une nouvelle carte. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une carte par monde de l'Other World. C'est marrant, ça. Vous aussi, vous l'avez, cette impression, ou pas? Enfin, je sais pas, ça dépend, sauf si on trouve une autre carte. Coucou. Ça va pas franchement par moment. Bon allez, on finit vite fait. Bon bah là c'est fermé, ok. Ah bah c'est Cloak & Dagger revenu, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Il y a une trousse à outils et c'est tout, on se casse. Je lui mène quand même la vie dure à mon agent York, parce que c'est pas pour dire, ça va faire même pas 24 heures qu'il est là,
Enfin si, peut-être avec la nuit qu'il a passé à l'hôtel, peut-être que ça fait 24 heures en fait. Mais enfin, ça fait une journée qu'il est là, le truc. Il a déjà affronté je sais pas combien d'ennemis. Il est là, il est complètement en mode schizophrène. Salut. Salut. Je crois qu'il y en a un pas trop loin. What the... Ça, c'était pas calculé. C'est pas moi qui ai tiré. Et ça m'a fait très mal d'ailleurs. J'ai moyennement aimé. Je vous avoue que là, je suis en train de moyennement aimer ce qui se passe. Je suis en train de me faire un peu surcharger. Au secours. Vous la sentez venir, la mort? Bon, j'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment. Oh putain, en fait j'ai réussi à m'en sortir pas du tout. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Non, recharge pas, recharge pas, casse-toi. Merci. Je t'aime, poteau. Poteau! Fuck you! Je te hais. Ouais, il y a eu un bug de collision, je suis passé derrière. Oh, un bug de collision qui m'a sauvé la vie! On les tue maintenant. Maintenant ça va, j'ai pris un peu de recul. Je devrais pouvoir les tuer plus tranquillement sans me faire prendre à... Voilà. On évite de retourner dans la zone où ils popent comme des malades, donc du coup on se casse en avant. Toujours se casser en avant. Et puis donc du coup, bah on arrive ici, on récupère plein de sous. Putain, cette masse d'argent. Et on se casse. La brume se disperse, j'en ai eu assez comme ça. Youpi! Et puis donc, pour ceux qui auront regardé jusqu'au bout, parce que c'est des vrais, des purs, des durs. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Deadly Premonition. J'espère que celle-ci vous aura plu, en tout cas. Pitié, pitié que ça tienne jusqu'au char. Pitié que ça tienne jusqu'à la sauvegarde. Pitié que ça tienne jusqu'à la sauvegarde. Pour ceux qui ont envie de rire, en fait, au moment où je disais que je tienne... Quand je disais pitié que ça tienne jusqu'à la sauvegarde, ça a planté juste après. Donc, pour les purs, les vrais, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et puis je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Deadly Premonition. Allez, à plus tout le monde, bye!